Hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi ça va super, je suis trop contente de vous retrouver enfin dans une vidéo YouTube. Je suis désolée pour le petit retard qu'il y a eu dans mes vidéos, mais en fait voilà, j'ai lancé Be The Best, j'ai ouvert ma boutique en ligne mercredi 18 août à 16h et du coup ça fait une semaine que je suis à fond dessus, dedans, à faire les commandes, à aller à la poste, à envoyer, etc. Et je n'ai eu aucune minute à moi pour rien du tout. Et Archie, avec tes grandes griffes, ma foi, tu fais du bruit! Tu fais du bruit! T'es un kikinant, toi, un peu quand même, hein? Oui, t'es un kikinant. J'ai vraiment pu absolument rien faire pendant une semaine à part m'occuper des commandes Be The Best. Voilà, j'ai même pas pu juste, ne serait-ce que ranger mon appart, vous voyez? Donc là, c'est-à-dire que c'est le bordel absolu. Donc, pourquoi j'ai pas pu faire de vidéo? Je suis désolée, mais j'ai vécu l'aventure à 100%. Mais je voulais absolument vous faire un petit retour, du coup, une semaine après le lancement. Qu'est-ce que ça donne, Be The Best? C'est un truc de ouf, c'est vraiment un truc de fou. Je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à My Perfect Planner particulièrement, parce que aujourd'hui, ça fait une semaine et j'ai déjà vendu plus de la moitié de mon stock de planner. Voilà. J'avais prévu quand même un stock assez large, donc je suis absolument trop fière. Je vous remercie pour toutes les commandes passées. J'ai fait à peu près 90 commandes, je crois. Donc c'est voilà, c'est pour que vous compreniez pourquoi vraiment j'ai pas été active, parce que franchement, je m'attendais pas à un tel succès. J'ai déjà reçu les premiers retours des premières clientes, du coup, qui ont reçu leur colis, et je vous les mets sur l'écran. Voilà, prenez le temps de les lire, s'il vous plaît, parce que c'est un truc de fou, ça me fait trop plaisir, c'est les meilleurs messages qu'on ait pu m'envoyer de toute ma vie. Parce que c'est un projet que je bosse depuis 5 mois, même un peu plus, et ça y est, c'est l'aboutissement en fait. L'aboutissement, c'était que vous l'ayez dans vos mains et que vous me fassiez un retour sur le produit. Et de voir ça, de voir que vous le trouvez trop beau, qu'il est beaucoup plus beau en vrai, voilà, c'est ce qui revient, c'est qu'il est beaucoup plus beau en vrai. Et c'est vrai, de toute façon, je vous l'avais dit, la couverture qui est satinée, nacrée, voilà, en fait, on voit, ça fait comme de l'highlighter, mais ça, on le voit à l'œil nu, on le voit au soleil, mais je sais même pas si vous l'avez mis au soleil. Mettez-le au soleil, vous allez voir, c'est fou. Et ça, c'est que si vous l'avez dans vos mains que vous allez pouvoir vous en rendre compte. Le fait qu'on me dise, ouais, il est trop beau, il est encore plus beau en vrai, il est trop bien fait. Les pages, le papier est trop beau, c'est hyper épais, c'est enfin voilà, un beau papier avec lequel écrire, etc. Qu'on me dise aussi qu'il est globalement en fait d'une superbe qualité et que voilà, vous regrettez pas votre achat, c'est génial, parce que oui, c'est de la qualité de fou et que vous le remarquiez, bah punaise, ça fait trop plaisir. Je suis trop fière, même les emballages, j'ai eu plein de compliments sur les emballages, etc. Donc merci, je suis trop contente. C'est que le début. Be The Best, c'est que le début, ça fait qu'une semaine et c'est pas prêt de se terminer. J'ai voulu commencer avec ma marque et avec un seul produit, mais un produit phare, c'est le produit phare de la marque, vraiment. My Perfect Planner, c'est the produit. Mais j'ai voulu tester la marque, tester le produit, voir si ça fonctionnait ou pas, parce que j'allais pas faire plein de produits, dépenser plein d'argent, faire un prêt à la banque, bref, partir dans des folies sans savoir si ma marque allait fonctionner, c'était pas du tout raisonnable. Du coup, j'ai fait un seul produit avec mes économies personnelles en faisant un truc de fou. C'était vraiment mon challenge, c'était de me faire kiffer, de vivre une nouvelle aventure, donc là, entrepreneuriale, de créer un produit et de faire un truc parfait, puisque c'était mon besoin de faire un Wiki Planner parfait de base pour moi. Là, je suis allée au bout de mon idée et j'ai créé vraiment le Wiki Planner parfait pour moi, sans me soucier de l'argent et tout. J'ai dépensé tout mon fric, je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire un truc parfait. Je voulais répondre à mon besoin. Je l'ai fait, c'est mission réussie, mission accomplie. Voilà, j'ai pas du tout fait ce projet pour l'argent, mais voyant que ça fonctionne très bien maintenant, voyant que j'ai déjà presque remboursé tous mes frais, voyant que là je vais récupérer du coup mes investissements, je vais avoir de l'argent à nouveau, je vais avoir un nouveau petit capital, je vais réinjecter ce capital dans d'autres produits et par la suite éventuellement, oui, commencer à me faire une plus grosse marge pour commencer à vraiment gagner de l'argent avec Be The Best et pouvoir considérer Be The Best comme un revenu à part entière dans ma vie,
C'est l'objectif. Voilà, c'est dit, c'est l'objectif. Voyant comment ça marche et voyant à quel point j'adore faire ce que je fais, bah voilà, j'ai envie de continuer. J'ai envie de continuer là-dedans. Be The Best ne va pas se résumer qu'à un seul produit, qu'à un planner. Ça va être plein d'autres produits qui vont arriver petit à petit. Donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok et sur Instagram, bethebest.fr, pour ne rien louper. À mettre Be The Best dans vos favoris pour toujours vous en souvenir, l'avoir dans un coin de votre tête. Il va y avoir d'autres produits, il va y avoir d'autres choses folles, d'autres choses incroyables. Parce que ça me fait trop kiffer, tout simplement. J'adore designer mes prochains produits, j'en ai déjà designé d'autres. Voilà, vous verrez ça prochainement. J'espère qu'il pourra y avoir des nouveautés à peu près vers fin septembre. Ce qui est en train de se passer, ce que je suis en train de vivre, c'est un truc de malade. Je suis tellement contente, tellement fière, tellement épanouie. Les gens qui me voient, mes proches me disent, mais Garance, je suis trop fière de toi, c'est trop bien ce que tu fais, t'as l'air trop heureuse et tout. Et c'est vrai, je suis trop heureuse. Ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie aussi épanouie que maintenant. Ça veut pas dire que je vais arrêter l'influence, que je vais arrêter Be Yourself. Pas du tout. Be The Best, c'est Be The Best. Be Yourself, c'est Be Yourself. Ce sont deux choses totalement différentes et ce sont deux choses pour lesquelles je m'investirai de la même façon. Je fais tellement de trucs, mes journées sont pleines et ne se ressemblent jamais ou peu. Et ça, c'est un luxe de fou pour moi. Alors pour certaines personnes, ce serait impossible. Je sais que dans mon entourage, les gens me disent, mais je sais même pas comment tu fais, Garance. Ce ne serait même pas envisageable pour moi de faire autant de trucs, mais moi je kiffe parce que je suis une personne qui se lasse très vite des choses et j'aurais pas pu avoir le même métier toute ma vie, faire toujours la même chose tous les jours et tout, non, pas du tout. Et d'être surtout dépendante d'un patron, etc, ça, c'est d'être sous les ordres de quelqu'un, ça c'est déjà quelque chose, j'ai du mal avec l'autorité, donc voilà. Mais même de faire la même chose tout le temps, c'est vraiment pas possible. Là j'ai la chance de pouvoir faire plein de choses et de pouvoir en plus gérer quand est-ce que je veux faire ces choses-là ou pas. Donc j'ai trop de chance, même si oui c'est beaucoup d'organisation, même si tout le monde pourrait pas le faire, de travailler à la maison, de se motiver, de se donner un coup de pied aux fesses, de travailler, de ci, de ça. Moi je suis passionnée par mes deux tafs maintenant. Je vis avec le cœur, je vis avec la passion et j'aime trop ce que je fais, je suis trop motivée, je suis hyper productive, j'adore ma vie à 200 à l'heure, j'adore être une businesswoman parce que c'est un peu ce que je suis, genre je suis là, je gère quand même deux boîtes, deux entreprises, deux concepts, je suis... Vous voyez ce que je veux dire, je fais tout toute seule, voilà, je gère les deux et si ça fonctionne, c'est parce que je gère bien derrière, moi toute seule en fait. Donc c'est aussi un sentiment de fierté de se dire ouais, je fais bien mon travail et tout, enfin bref, j'adore ma vie, j'adore trop ma vie, je suis trop heureuse en ce moment et je voulais vous remercier parce que tout ça c'est grâce à vous, que ce soit dans l'influence ou sur Be The Best et toutes les commandes qu'il y a eu, c'est grâce à vous, c'est grâce à vous, franchement sans vous je ne serais rien. Je voulais en plus remercier d'autres bah, du coup small business qui ont parlé de moi aussi, ça c'est un truc de fou, que je vous explique quand même cette histoire là, de ce aussi pourquoi j'étais un peu moins active sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube, parce que j'étais archi active sur TikTok, parce que TikTok c'est un peu le futur, tout le monde m'a dit Garance, quand tu auras ton site et tout, fais des lives TikTok. Fais des TikTok, fais des préparations de commandes, fais des live commandes. Donc moi j'ai écouté. J'ai ouvert ma boutique le mercredi 18 à 16h. J'avais 758 abonnés. Je ne savais pas qu'il fallait 1000 abonnés pour faire des lives TikTok. Du coup, on me l'a appris. Je m'en suis rendu compte mercredi, hein, dans l'après-midi, je sais plus trop quand, bref. J'ai fait oh merde. Du coup, j'ai appelé à l'action. J'ai appelé voilà, ma communauté, vous, je vous ai demandé d'aller vous abonner. Le mercredi soir, je sais plus, il devait être 20h, nous avons dépassé les 1000 abonnés TikTok. Donc j'étais trop contente, trop fière. Merci d'ailleurs pour ça, pour cette force et cet élan de solidarité, ça m'a fait trop plaisir. Et d'avril jusqu'à 18 août, j'ai réuni 758 abonnés. J'ai commencé du coup mes lives TikTok le lendemain et aujourd'hui, une semaine du coup après, nous sommes à 3400 abonnés sur mon compte TikTok. Donc en une semaine, j'ai eu 2400 abonnés nouveaux alors que pendant des mois et des mois, j'ai galéré à avoir les 1000 abonnés on va dire. Donc c'est juste pour vous expliquer à quel point les lives TikTok, enfin, on m'avait pas menti, on m'avait dit que voilà, il fallait faire des lives TikTok, il fallait faire des préparations de commandes, faire des live commandes, etc. J'ai fait ça et aujourd'hui on est à 3400 abonnés. Pour tout vous dire, le premier jour donc, de lancement, donc, j'ai ouvert ma boutique à 16h, donc de 16h à minuit, ce qui est pas beaucoup, j'ai eu 33 commandes. Donc c'est pour ça que je faisais autant de live TikTok, donc voilà. Et pourquoi ça rapporte beaucoup d'abonnés? Parce que TikTok te met en avant facilement. J'étais tranquillement en live, je devais avoir, je sais pas, peut-être 80 personnes et d'un coup je suis passée à 450. Mais en l'espace de 10 secondes, je rigole pas quand je dis ça, tout le monde était choqué dans les commentaires, ils étaient en mode quoi, mais on est 400. C'est incompréhensif, vraiment c'est un mystère, mais l'algorithme TikTok est hyper chouette. Je vais pas m'en plaindre, à chaque fois que je fais des lives, ça, je suis toujours hyper regardée.
minimum 80 personnes, je dirais, allez, minimum 50. Minimum 50 personnes qui me regardent. Maximum, on a atteint presque les 1000. Presque les 1000. On était 980, même 994 de mémoire, il me semble. Les gens s'abonnent parce que les gens sont gentils, parce que les gens ont envie de t'aider, t'apporter leur soutien. Les vues de mes TikTok, parlons-en. J'ai des TikTok, mes TikTok font autant de vues que mes vidéos YouTube, voire même plus. Alors que j'ai 3400 abonnés. Et la dernière chose, c'est le soutien des collègues, le soutien des autres small business. C'est un truc de fou. Donc moi, j'étais en live tranquillement. Et là, d'un coup, les gens arrivent sur mon live et me disent « On est là grâce à Chloé, on est là grâce à Chloé, coucou, on est là grâce à Chloé. Oh, Chloé a parlé de toi en live. Chloé, elle a dit qu'elle adorait tes planeurs. Chloé, elle a dit que ton site il était trop bien, ce que tu faisais, ça changeait, c'était trop cool et qu'il fallait qu'on vienne te voir, qu'on vienne s'abonner et tout. » Bref, je reçois plein de messages comme ça alors que j'étais en train de faire mes commandes. Je fais « Mais Chloé qui ?» Et les gens me disent « Chloé Cosmétique. » Elle a plus de 200 000 abonnés, donc moi je me suis dit « C'est pas possible qu'une fille avec plus de 200 000 abonnés parle de moi. » Garance là qui vient d'ouvrir sa boutique qui est presque pas d'abonnés entre guillemets, enfin par rapport à elle du moins, c'est pas possible que une autre small business me fasse de la pub comme ça gratuitement alors qu'on se connaît pas, on s'est jamais parlé. Et en fait elle était en live de son côté sur son TikTok et elle a dit qu'elle était tombée sur mon live et qu'elle avait adoré ce que je faisais, que mon planeur était super joli, que c'était super bien fait. Carrément elle était en live et elle a invité les gens à se déplacer de son live pour aller voir le mien. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même fou. Une collègue qui me tend la main, on va dire, plutôt que de m'enterrer 6 pieds sous terre là. Parce que moi, depuis que je suis sur les réseaux depuis 12 ans, j'ai connu que de la compétition hein, sur YouTube, sur Instagram. Jamais on t'a tendu, enfin moi jamais on m'a tendu la main personnellement. Non, jamais, ça ne s'est jamais fait. On m'a plutôt mis des bâtons dans les roues qu'autre chose. Et là, les gens disent faites un live en duo, faites un live en duo. J'étais en mode je sais même pas comment faire, moi je débarque, je sais pas. Et en fait là, il y avait le père du coup de Chloé Cosmétique qui était sur mon live. Il m'envoie une demande de live pour qu'on fasse un live en duo. Donc je reçois ça, j'accepte, et là je me dis, dans mes garances, tu vas vraiment être en live, en FaceTime, avec Chloé Cosmétique et son père. C'est-à-dire que moi j'étais pas prête du tout, j'étais pas prête, moi je faisais mon live tranquillement, chill, on était 80, je crois, à peu près, et là, d'un coup, je me retrouve en live avec Chloé Cosmétique et son père. Et du coup, on a discuté tout ça, son père trop gentil, Chloé trop gentille, adorable les deux, on a discuté quelques minutes comme ça en live, c'était trop cool. Et bah forcément du coup vu qu'elle m'a fait de la pub, elle m'a ramené tous ses abonnés sur mon live. Donc on est arrivé à 250 personnes je crois, voire même 500, je sais plus trop. En plus de ça, pour finir le truc, pour que vous compreniez à quel point Chloé Cosmétique c'est une fille, un amour, un cœur, je lui ai dit, parce que du coup après elle est revenue sur mon live, et je lui ai dit mais attends, envoie-moi ton adresse, je vais t'envoyer un planeur si t'aimes bien ce que je fais, c'est la moindre des choses quoi pour te remercier, enfin avec grand plaisir je t'envoie un planeur. Et je lui ai dit envoie-moi ton adresse et tout, et elle m'a dit non t'inquiète pas, je vais commander pour te soutenir. Et juste ça, c'est vraiment, c'est une fille, elle a le cœur sur la main jusqu'au bout. Mais ça ne s'arrête pas là, mais le lendemain je fais mon live, qui c'est qui vient sur mon live? Carlita Beauty, donc un autre small business qui... donc Chloé Cosmétique, elle fait des bijoux et du cosmétique maquillage américain. Et Carlita Beauty, elle fait des produits de bain, des bombes de bain, des petits galets effervescents, des trucs comme ça. Et je crois aussi des masques, des produits soins, etc. Elle a aussi 200 000 abonnés, plus de 200 000 abonnés. Et elle vient sur mon live et elle me fait un petit coucou, elle me dit qu'elle adore ce que je fais, qu'elle me souhaite plein de bonnes choses et tout machin. Et qu'elle s'est abonnée, tout ça, tout ça. Enfin, genre. Encore une fois, j'étais trop surprise, j'étais trop choquée. Et ce qui était trop drôle, c'est que du coup, le lendemain, elle a fait un live. Donc, je suis allée sur son live, j'ai fait un petit coucou. Et là, encore une fois, elle a dit ah, c'est trop bien ce qu'elle fait, Be the Best, Garance. N'hésitez pas à aller voir, à vous abonner, etc. Elle m'a refait de la pub encore le lendemain, alors que moi, je venais juste faire un petit coucou par solidarité, comme ça. En plus, elle a dit que j'étais trop belle et tout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a tellement. C'est tellement un autre monde, c'est un truc de fou. Donc la première soirée, il y a eu Chloé, la deuxième soirée, il y a eu Carlita, et là, la troisième soirée, il y a eu Héloïse de Eziol. Je sais pas si vous connaissez, elle est un peu moins connue. De toute façon, je vous mettrai hein, aux filles, je vous mettrai leur site et leur TikTok en barre d'infos, hein. N'hésitez pas à les voir vraiment. Mais bon, elle a moins d'abonnés, mais je m'en fous. Enfin, moi, vraiment, les abonnés, c'est pas ce qui compte, c'est juste qu'en fait, elle est venue aussi sur mon live et elle m'a dit aussi que ce que je faisais, c'était trop bien. Et qu'elle me souhaitait plein de bonnes choses pour la suite, plein de réussite, et qu'on avait même déjà parlé dans le passé, et si et ça. Bref, on a discuté un petit peu en live. Bah, j'ai été aussi trop surprise. Elle fait des box mensuelles
composable, 100% composable de petits créateurs. C'est un truc de fou, donc je voulais vous parler de ça parce que c'est le dernier point qui me fait dire mais TikTok c'est un truc de malade, comme je kiffe ce réseau, parce que c'est pas du tout la même ambiance, c'est pas du tout le même ressenti. Je travaille sur TikTok, je travaille dur, je fais des trucs bien, j'essaye de m'investir, machin machin, je suis récompensée pour ça. Sur Instagram, je vais travailler dur, je vais pas être récompensée pour ça. Sur YouTube, je vais travailler dur, je vais pas être récompensée pour ça. Donc c'est plein de petites choses qui me font dire, bah forcément, naturellement, j'ai envie d'aller vers TikTok. Je pense avoir fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. C'était vraiment un mot général, merci. Les personnes qui veulent pas acheter mon planner parce que elles s'en fichent, juste qu'elles n'ont pas les moyens ou quoi, je peux comprendre, il n'y a aucun problème avec ça, pas de soucis. Bien sûr, je vous demanderai jamais d'acheter mon planner ou quoi, enfin, vous faites ce que vous voulez. Mais juste, si vous pouvez vous abonner, témoigner de votre soutien avec un like, un commentaire, ce serait déjà énorme. Partager ou même juste en parler à votre copine, à votre sœur, à votre tante. Donc je vous remercie à celles qui feront ça. Et bah voilà, c'est tout. Et merci encore plus des gros cœurs sur vous, les personnes qui passent commande. Je vous aime trop. Vous me permettez de vivre mon rêve éveillé, de continuer, d'évoluer, d'avancer et d'avoir la vie de rêve que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, je suis trop contente. Merci beaucoup. C'était une petite vidéo un peu bilan, on va dire. Après, je vais un peu moins vous saouler avec Be The Best, je vais retourner un peu dans mon influence, mais j'aime trop parce que là, je fais un tournant un peu de ma vie où beaucoup de choses se bousculent, beaucoup de choses changent. Je vous fais plein de gros bisous et à dimanche. Bye !